bonjour à tous et bienvenue sur mon modeste établi. La rubrique que nous allons vous présenter ce soir avec mon camarade Jacques va consister à vous expliquer de la manière la plus claire et limpide qu'il soit tous les différents types ou un maximum de types de montage de cordes en fonction des guitares, qu'elles soient avec ou sans vibrato, qu'elles aient des mécaniques type vintage ou des mécaniques type bain d'huile, avec ou sans blocage de cordes, sur acoustique, guitare nylon ou sur guitare folk, de manière à ce que chacun puisse aller y trouver les petits trucs et astuces permettant à la fois de gagner du temps, parce que quand on n'a pas les bons gestes et qu'on n'a pas la bonne technique, ça peut être juste extrêmement pénible de changer ses cordes, et surtout d'avoir une corde suffisamment bien montée pour vous permettre d'optimiser la sonorité et la tenue d'accord de vos guitares. Il m'arrive très fréquemment, et pour ainsi dire tous les jours, de rencontrer des clients qui arrivent totalement désemparés avec un instrument dans les mains, ne sachant absolument pas comment changer les cordes, alors que dans le principe, c'est à peine plus compliqué que le fait de faire ses lacets. Tout le monde sait à peu près faire ses lacets. Il s'agit juste de prendre une habitude, il s'agit juste d'attraper un mouvement, une gestuelle, posséder cette gestuelle. Je vous promets qu'il ne vous faudra pas plus de 5 minutes pour changer les cordes sur vos guitares, à partir du moment où vous allez vous équiper au moins d'une petite manivelle, telle que celle-ci, et d'une pince coupante, telle que celle-ci. À partir de là, et avec ces deux outils extrêmement rares à trouver, je plaisante, vous allez pouvoir faire vous-même vos montages de cordes. Le but de cette rubrique va être juste de vous montrer comment moi je fais personnellement. Chacun va avoir ses techniques. Il ne s'agit pas de vous dire que c'est la seule manière de monter les cordes sur vos guitares, c'est pas le but du jeu. C'est juste que depuis 22 ans que je fais ce métier-là, en ce qui me concerne, je fais comme ça.